début de vlog, on est rendu vendredi parce que hier ne fut pas une belle journée. J'étais vraiment pas dans un bon mood et comme vous pouvez l'entendre par ma voix, le rhume m'a frappé un petit peu. Donc hier j'étais vraiment KO, je vous le dis, là, j'ai fait rien de bien productif, ça m'a tout pris pour aller à mes cours. Et j'étais vraiment pas dans un bon mood. D'ailleurs, je vais vous en reparler peut-être un petit peu tantôt là, de ce qui se passe un petit peu et tout. Et de pourquoi je ne suis pas à ma meilleure forme. Mais là, ce matin, c'est ça, on est vendredi, donc de toute façon, ça change rien pour vous. Là, c'est juste que moi, j'ai une journée de moins en avance. Mais je pense que hier, c'était le mieux pour moi. Alors, aujourd'hui, on est le... c'est la journée du Black Friday. Et j'ai plein d'achats à faire. Vous m'avez vu là ce matin, je me suis fait couler un petit café, pas mal nécessaire. Puis là, ma face est un petit peu rouge parce que je viens d'aller la nettoyer puis tout ça. Puis à chaque fois que je fais mes soins, elle est toujours très rouge. C'est ça. Donc je vais vous montrer ce que je veux acheter pour le Black Friday. Je me suis fait une liste. Là, vous me voyez comme à 250% naturel parce que mes cheveux sont... Ça, c'est mes cheveux naturels en ce moment-là. Fait que j'apprécie pas trop, mais j'essaie de les toucher le moins possible. Souvent, je vais les attacher de toute façon parce qu'ils me dérangent. Je veux acheter des capsules Nespresso. Il va sûrement avoir une promotion par rapport à ça. Au Simons, j'ai acheté un cadeau. Je veux commander des Evive Smoothie, j'en ai plus. Mais je vais essayer les nouvelles sortes, puis ils sont pas... désolé ma voix, Seigneur. Mais elles sont pas en vente dans les magasins, là, dans les épiceries. Donc, je vais commander sur eVive. Faudrait que je trouve un cadeau pour mon père puis mes frères, mais je pense pas que je vais trouver ça aujourd'hui. Donc, quand vous allez voir le vlog, si jamais j'ai pas trouvé d'idée, j'aimerais ça que vous me dites en commentaire ce que vous achetez à votre père ou à vos frères, parce que je sais jamais quoi acheter. Je vais commander chez Maison Lavande pour un cadeau aussi. Puis, je vais regarder peut-être pour des collants de la marque Rachel, je crois. Parce que j'ai plus de collants, puis j'y trouve vraiment beau, puis il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils étaient extrêmement durables. Donc je vais regarder tout ça. Je vais vous emmener là, avec moi dans ma petite achat en ligne. Il est rendu presque midi et je suis toujours à la même place parce que ça a été tout qu'un processus de commander mes capsules Nespresso. Là, je viens de faire... Il y a un numéro qui arrête pas de m'appeler, ok, ça vient de l'Ontario, puis c'est pour... c'est de la fraude, là. Ils appellent tous nos numéros de téléphone, fait qu'on m'a dit de pas répondre, mais ça gosse, ça va faire 10 fois qu'ils appellent, je vais les bloquer. Mais oui, c'est ça, ça a été un processus de faire le choix, parce que je commande aussi pour mon frère qui va avoir une Nespresso. Puis c'était 150 capsules pour avoir 15% de rabais sur toutes les capsules, mais en commander autant que ça, je sais plus... quelle choisir. Bref, je vais vous montrer ma commande, si jamais ça vous intéresse. Donc, voici ce que j'ai commandé. Je sais pas si vous allez bien voir, si c'est focus ou non. Donc, j'ai commandé celui au caramel, un café fort pour mon frère qui aime les cafés forts, un qui est comme un café normal, mais qui est très bien coté. Là. C'est celui qui est le plus vendu, donc c'est un café là, assez normal, assez doux, neutre. Les éditions de Noël que j'ai commandé pour moi, donc café noir puis celui brioche à la cannelle. J'ai commandé une autre sorte de café qui est comme semi-fort là. Celui au voyons, c'est quoi en français là? Bref, vous le voyez sur l'écran. Voltesso qui est mon espresso préféré, celui à la vanille, un double espresso parce que c'est le bon avec du chocolat voyons, du lait au chocolat. Et un autre café fort pour mon frère. J'ai commandé là, 4 kits de détartrage. Comme ça, on va en avoir en masse. Puis dans le fond, c'était supposé coûter 200$. Puis finalement, ça va nous revenir à, avec les rabais et la livraison, à 172,45$. La livraison était gratuite là, au-dessus de 75$. Donc, vous m'avez vu préparer mon petit dîner. Donc, c'est des saucisses italiennes qui étaient en rabais avec des petites patates pilées. Moi, j'ai pris des patates grelots parce que je trouve que c'est sucré. Puis, ça me dérange pas qu'il y ait aussi... ça a l'air vraiment pas chic de même. Là. Mais ça me dérange pas qu'il y ait de la pleure aussi. Donc, j'ai vraiment fait ça à bonne franquette avec tout ce que j'avais dans le frigo. J'ai juste pilé avec une fourchette parce que j'ai même pas de truc pour piler ici. Mais ça s'est pilé super bien.
De toute façon, j'aime pas ça quand c'est 100 pour... ben j'aime ça quand c'est 100% lisse, mais quand il y a des petits moutons non plus, ça me dérange pas là, vu qu'il y a de la pelure. Donc ça donne comme un petit peu plus sucré. Vous avez vu, j'ai mis du beurre, du sel, du poivre avec un petit peu de crème à cuisson et j'ai rajouté là ce que vous avez pas vu, je crois là, des échalotes mélangées dans tout ça. Je vais manger ça là, avec du fromage que j'ai à côté, ça va me faire un petit dîner. Puis j'ai un lunch aussi que je vais pouvoir apporter là chez mes parents pour demain quand je vais travailler. Donc voilà, c'était ma petite recette du jour qui n'est pas des ramen et un grilled cheese. Je sais pas à quel point vous êtes droit. Il est rendu 1h30. Je viens de terminer de dîner et j'ai regardé pour faire mes petits achats là, pour le Black Friday. J'ai fait Nespresso, Simons, j'ai pas encore commandé pour le cadeau. Ivive, finalement, je commanderai pas non plus. Les collants de la marque Rachel, peut-être que je vais les commander. Puis Maison Lavande, c'est pas tout de suite la promotion. Ça va être plus tard en fin de semaine, donc je vais commander plus tard. J'avais envie de m'ouvrir un petit peu à vous. Donc, si jamais vous voulez pas entendre de blabla, comme je dis toujours, ben je vous invite à comme skipper et tout. Mais vous êtes pour moi une façon de me confier puis de parler des choses, mais vous êtes aussi d'excellentes sources de conseils. Alors, puis on dirait comme je vous ai toujours dit, moi je suis authentique, ben en fait je prône l'authenticité et on dirait que de faker que comme t'sais, tout va bien ou que bref. J'ai besoin de vous mettre à jour dans tout ce qui s'est passé dans ma vie parce que vous savez pas, mais dans le dernier mois, j'ai pas filmé vraiment, tu sais, j'ai pas vraiment vlogué. Je vous ai emmené avec moi dans les événements, mais j'ai comme pas parlé vraiment de j'en suis où dans ma vie puis comment ça va et tout. Donc c'est ça. Si ça vous intéresse pas puis que vous voulez juste passer à l'action, passer quelques minutes. Le dernier mois a été, en fait pas le dernier mois, les derniers mois ont été vraiment pas faciles. Puis je vous dirais que ce mois-ci, pour plusieurs, je crois, là, bref, je suis dans un mood de marde, on va se le dire. Là, je ris, mais c'est ça. C'est vraiment pas, comme je vous ai dit, j'ai changé d'avis là, par rapport à l'université, mais j'avais beaucoup des attentes par rapport à l'uni. J'étais sûre que j'allais comme vivre ma vie universitaire, que ça allait être wow. Puis finalement, j'ai mangé une bonne claque d'en face, puis j'ai l'impression que j'ai mangé une coupe de mur là, dans les derniers mois pour la petite Amélie qui grandit bien vite. Donc c'est ça. Fait que premièrement, il y a eu l'université où est-ce que j'ai commencé justement à comme être moins motivée, puis à pas vraiment aimer les cours et tout. Puis c'est pas tant le sujet que j'aime pas parce que là tout le monde me disait ben là ça veut-tu dire que comme t'es pas faite pour la gestion puis t'es mieux de continuer en travail social. Comme vous savez, j'ai un amour profond pour le travail social, mais cet été j'ai vraiment confirmé que je voulais gérer une compagnie. Là, il manquait de batterie. Y a rien pour m'aider. Mais ouais, c'est ça. Ça m'a confirmé que je voulais vraiment gérer une compagnie parce que j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assurance puis beaucoup de responsabilités. Puis les cours, mettons, de management, de marketing et tout, ça m'intéresse, mais c'est tout le côté admin qui est mathématique que je déteste, genre comptabilité, maths, fiscalité, impôts sur le revenu, tout ça, je suis comme, ça me démotive fois mille parce que je suis vraiment la côté de comme ressources humaines, management, là, c'est vraiment ce qui vient me chercher, comme vous savez, là, vous me connaissez quand même. Donc, ça a été comme une claque d'en face pour ça parce que moi, je suis vraiment quelqu'un de passionné dans la vie. Fait que si je fais quelque chose qui me passionne pas, ça me démoralise vraiment beaucoup. Il y a eu ça. Après ça, j'ai pu toucher. Ben en fait, j'aurais eu l'opportunité de toucher à un de mes rêves. Donc, je vous avais déjà parlé que moi, mon rêve, c'est de m'acheter quelque chose, d'avoir un chien, d'avoir ma petite maison et tout, dans les années qui suivent. Mais j'ai eu l'opportunité qui s'est offerte à moi. J'ai eu une bonne offre, dans le fond, et j'ai dû brasser ça tout en même temps parce que depuis que je suis en appart, ben, veux, pas, j'ai comme découvert ma petite bulle, ma petite routine et tout. Puis là, je savais plus l'année prochaine, j'allais faire quoi. Est-ce que je retourne chez mes parents? Je me loue un appart à Granby, mais en même temps, c'est dépenser de l'argent dans le vide quand je peux rester chez mes parents. Puis que je suis quand même relativement bien, ou je m'achète quelque chose, mais m'acheter quelque chose maintenant. Tu sais, oui, j'ai de l'argent de côté et tout, j'aurais pu, mais ça aurait été quand même assez serré. Et l'argent est une grosse source de stress pour moi. Fait que là, j'ai eu à prendre beaucoup de décisions pour une petite fille de 21 ans. Mais comme je vous dis, j'ai toujours été là dans ma tête là, depuis que je suis rentrée au secondaire. Moi, j'ai toujours eu hâte d'avoir ma job, d'avoir ma maison, ma famille, puis tout là. Mais la famille et tout, ça l'attendra. Mais bref, c'est ça.
Fait que là, j'ai dû brasser tout ça. Ça m'a demandé tellement d'émotions. Puis là, je savais plus qu'est-ce que je faisais et tout. Et finalement, j'ai décidé d'attendre, même si l'opportunité s'est offerte à moi, parce que l'année prochaine, je vais rentrer sur le marché du travail. Puis ça va être beaucoup de changements. Parce que j'ai pas de poste en tant que tel à l'entreprise. Je veux pas, on est une PME, donc il va falloir que je comme me crée mon propre poste. Et j'ai beaucoup, beaucoup d'apprentissage à faire. Puis je veux pas, je pense que ça va être difficile pour moi de m'adapter à comme ne pas aller à l'école puis vraiment avoir comme une routine de vie. Donc j'ai décidé de vivre les étapes une à la fois, même si c'était mon rêve que j'aurais pu l'atteindre vraiment plus rapidement que ce que je le pensais. Quoique c'est repoussé à dans peut-être pas si longtemps, dans un an, dans 6 mois, un an, bref, quand je vais être prête, parce que là je sais que j'ai l'opportunité, que je peux, quand je vais être prête, mais j'ai choisi d'aller un pas à la fois, donc de terminer mon bail ici, de retourner chez mes parents, puis quand je vais être prête après, puis que je vais me sentir vraiment, puis je vais m'avoir adaptée là, au marché du travail et tout, là je vais pouvoir atteindre ce rêve-là d'acheter une maison, un semi-détaché, bref, ce qui va aller vers moi, mais ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Et j'ai comme perdu toute motivation, puis je me reconnais tellement pas, là, mais je sais que la température aussi aide pas. Mais ces temps-ci, là, j'ai de la misère à me lever de mon lit. Là. Puis quand je vous dis ça, là, c'est que je suis tellement pas quelqu'un comme ça. Là. Genre, j'ai vraiment pas... Puis quand je vous dis que j'ai arrêté d'aller à l'école, ben, que j'ai décidé de réduire ma charge d'aller à l'école, c'est que je comprends vraiment que mon corps est plus capable de cette charge-là. Je stresse à rien. Aussitôt que j'ai un petit examen, là, mon corps, genre, j'ai envie de vomir, je suis pas capable de manger. C'est comme tout est over, là. J'ai vraiment frappé un mur aussi par rapport à ça. Mon corps, il me suit plus. Ma tête, ça va, je gère quand même bien l'anxiété, mais mon corps, il comme, là, c'est tassé, là. Puis j'ai vraiment, c'est ça, réalisé ça parce que le matin, là, genre, mettre les deux pieds en dehors de mon lit, ça a jamais été autant dur de toute ma vie. Puis je suis quelqu'un qui est, comme je vous dis, passionné, motivé. Fait que ça a été lourd pour moi ces derniers temps. Puis j'essaie comme, tu sais, d'habiter aussi toute seule. Là. Oui, c'est bien beau avoir une routine toute seule et tout, mais moi, je suis quelqu'un vraiment social dans la vie. Puis j'ai déjà habité en appart avec des colocs ou sinon avec ma famille. Là, j'arrive chez nous là, quand j'ai fini mon cours à 11h30. Puis je peux bien dormir toute la journée. Puis il y a personne qui va rien me dire. Il y a personne qui va s'en rendre compte. Il y a personne qui est comme, hey, on fait ça ou on fait ci. Tu sais, c'est. Ça devient comme un cercle vicieux de non-productivité puis de un peu se sentir vraiment dans un mood de marde. Puis j'arrive pas à en sortir. Fait que si vous avez des conseils pour moi, tu sais, je sais qu'il faudrait que, mettons, je fasse du sport. Tu sais, là, je marche pour aller à l'école. Je sais que ça m'aide beaucoup à m'aérer le cerveau. Il faudrait que j'aille voir des amis et tout, mais genre, je suis pas capable. Genre, j'ai aucune motivation, là. Mon envie, c'est juste de me coucher en boule dans mon lit, genre. Mais là, vous êtes l'opportunité pour moi de comme me forcer à faire des choses et tout. C'est pas négatif, là. En fait, c'est vraiment positif. Donc, le Vlogmas, tu sais, j'ai plein de choses que je veux vous parler et tout. Fait que ça va comme me permettre d'avoir un peu comme une personne qui me suit dans mes journées. Mais là, c'est ça, j'ai attrapé le rhume aussi, fait que ça l'aide pas. Mais voilà, petit update. Et ben c'est ça, ma décision a été prise que finalement, je vais rester chez mes parents. Puis mes parents m'ont offert la plus belle offre que j'aurais pas pu croire un jour. Je pense que c'est vraiment la plus belle preuve de reconnaissance qu'ils peuvent faire envers moi. Puis ils ont vu que j'ai tellement grandi dans la dernière année. Je suis comme passée d'un bébé de 18 ans à genre un adulte, là. Dans mes choix, mais dans mes décisions, dans mes relations, j'évolue vraiment très rapidement. Comme de fait, la caméra a coupé. Fait que vous pouvez voir qu'on a changé d'angle parce que j'ai manqué de batterie. Pendant ce temps-là, j'ai été faire un petit peu de vaisselle. Mais ça m'a juste le temps que comme la caméra soit fermée puis je la recharge un petit peu, ça m'a vraiment fait du bien de vous parler. Puis comme je vous dis, ça va vraiment m'aider puis me botter le derrière à comme faire des choses, vous parler. Puis en même temps, ça va faire quelqu'un à qui raconter mes journées et tout. On est rendu le soir, comme vous pouvez voir par ma chevelure. Je m'en vais prendre un bon bain, me démaquiller, faire un masque. Je crois que je vais faire celle-là. Donc celle-là juste ici. Bon, je suis pas petite fumée avec mon téléphone, je sais pas trop comment vous montrer ça. Mais je l'ai presque terminée, je l'aime vraiment beaucoup là, pour enlever toute la cochonnerie dans les pores et tout.
C'est pas mal ça qui va terminer ma journée. J'ai été souper au restaurant avec mes parents, puis je vais prendre un bon bain, je vais relaxer, je vais faire du montage, je commence à faire mon montage de Vlogmas. Je suis trop contente de ce que ça donne à date. Puis nous, on va se revoir demain.